En Russie, la Douma a voté la levée de l'immunité parlementaire de Ilya Ponomariov. Cet homme politique de 39 ans avait été le seul député russe à se prononcer contre l'annexion de la Crimée. Il se trouve actuellement aux États-Unis, où il avait milité pour l'extension des sanctions économiques contre Moscou.